Si j'écoute Bruno, si à chaque fois qu'on est battu, on n'a plus le droit de se présenter, je te rappelle que tu as été battu à la présidence de l'UMP. Ça n'est pas ce que je dis, Nicolas. Je dis simplement... J'en suis heureux pour moi et désolé pour toi. Je dis simplement, Nicolas, qu'avant la candidature de 2012, tu avais dit, si je suis battu, je ne reviendrai pas en politique. Je vais venir. Les mots ont un sens. Je vais y venir. Si être battu, c'était rédhibitoire, François Mitterrand n'aurait jamais été président de la République deux fois et Jacques Chirac non plus. On se serait passé de deux grandes personnalités. Commence d'abord par essayer d'être élu. Tu verras que c'est très difficile. Ensuite, je vais vous dire une chose. Je sais que c'est difficile, Nicolas. Je dis simplement que Jacques Chirac et François Mitterrand n'ont pas été battus comme président sortant. Ils ont été battus comme candidat. Nicolas Sarkozy. Ils ont été battus, ce qui peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas la même chose. Et je te souhaite d'ailleurs que ça t'arrive, parce que c'est la défaite qui fait apprendre des choses, comprendre des choses et faire évoluer une personnalité. Ça vous a fait évoluer. C'est comme pour Nicolas, c'est pour ça, Nicolas, que j'ai tiré les leçons de notre défaite à l'UMP en 2014.